C'est, j'ai fini mon voyage et me voici sur une nouvelle île. Bonjour à tous, c'est Monsieur Madness02 et aujourd'hui on se retrouve pour la 8ème partie extra de ce Let's Play Random sur Pokémon Emerald. Et donc là, l'île où je suis sur l'île lointaine. Un lieu que on peut accéder uniquement par événement avec la vieille carte qui me permettra d'attraper un nouveau Pokémon légendaire dans ce jeu. Après, je vous laisse imaginer qui ça peut bien être. Eh bien, le voilà. Il se cache dans les herbes. Il joue à cache-cache. Où t'es, petit Pokémon, où t'es? Où t'es, petit Pokémon, où t'es? Hop. Miaou. Eh oui, vous l'avez deviné, c'est bien Mew, le petit Pokémon nouveau que l'on peut avoir uniquement par événement. Donc là, je vais me le faire le petit pépère. Il commence déjà par Morphing. C'est tout à fait normal. Donc là, pour cette capture, de toute façon, Mew, il va pas être spécialement casse-cou. Enfin, le seul truc, c'est qu'il me copie mes attaques, vu qu'il a fait Morphing. Donc là, je vais l'endormir exprès pour qu'il évite de m'embêter. Donc oui, pendant les parties extra, je ferai aussi les Pokémon légendaires que l'on peut obtenir uniquement par événement. C'est-à-dire Mew et puis d'autres Pokémon. Donc je vous citerai pas pour pas éviter que vous soyez spoilés. Donc sans plus attendre, on va continuer la capture de Mew. Donc là pour le moment ça va, je vais pas trop l'affaiblir parce que déjà il est niveau 30 et vu que j'ai le double, je préfère pas tenter. À la place, je vais switcher, je vais emmener mon ami Justin, qui a un niveau de moins que lui. Il va pouvoir l'affaiblir tranquillement. Voici les coups d'éclat rock. Ah, il se réveille. Tonnerre. Normalement, ça va pas me faire trop mal. Ou si, quand même. Allez, bouffe un éclat rock. Ok, je fous que dalle. Quasiment que dalle. Bah, Justin, t'es mort. Hein, t'auras servi à rien, Justin. Juste pour le sacrifice. Bon, bah... on va rappeler Gardevoir 3, hein. Et pas le choix. Pour pouvoir l'endormir, le petit Mew. Allez hop, fais un petit dodo. Allez hop, voilà, fais dodo. Et moi, je vais pouvoir commencer à balancer des bols. On va y aller... on va y aller avec quoi? Allez, le Nether Ball, tiens. Allez, hop. Ok. Ok. J'ai envie de dire... what the fuck? C'est quoi ce Pokémon totalement nul? Tiens, c'est un légendaire, mais bon... je m'attendais à ce qu'il résiste un peu. Mais là, du premier coup, quoi? Alors là... truc, on s'y attend pas, pourtant qu'il a un taux de capture de 3%. Et là, je le chope du premier coup. Ça me paraît... c'est bizarre. Après, j'espère qu'il va pas trop des sets de merde. Bon, c'est quoi, là? Pour le petit Mew, vu qu'il ressemble un petit peu à un chat, je l'appelais Cat. Voilà, parce que j'ai pas d'idée de surnom pour le donner à Mew. Voilà. Et donc on passe à joue 6 sur cette île, il n'y a pas de Pokémon d'autres Pokémon sauvages à part Mew. Là je sais pas trop quoi faire là. Parce qu'il faut que j'essaie de trouver un truc pour meubler parce que là ça fait que 4 minutes. 4 minutes juste pour un légendaire. Qui a été pas terrible parce que bon vu comment il était faible. Mais non, j'ai la flemme d'aller chercher un autre Pokémon légendaire. Non, j'ai pas envie. Je ne sais pas ce que je pourrais faire là maintenant. Là, je suis un peu dans l'embarras parce que dit Mew, le capturer comme ça du premier coup. Je me suis dit, purée,
Déjà, j'en bavais comme un porc déjà face à certains légendaires. Alors là, déjà, lui... C'est le légendaire qui se laisse même pas faire. Qui se laisse faire, plutôt. Alors... Voilà un peu les Pokémon. Là, ils sont beaux. Alors déjà... Le Mew est jovial. Ok. Jovial, une nature poète pour un Mew. Bon, c'est clair, c'est bon pour la vitesse, mais c'est mauvais pour l'attaque spéciale. Encore timide à la rigueur, ça aurait été. Ou modeste, mais là, jovial pour Mew, c'est une nature de merde. Bon. Tiens, vu que j'avais bien pensé de noter sur le bout de papier, je vais aller chercher le fossile. Ouais, parce que bon, je vais pas m'arrêter tout de suite, parce que la partie fait... Elle est un peu trop courte, déjà. Même beaucoup trop courte. Donc, je vais préférer aller chercher le fossile. De toute façon, pendant ce temps-là, il a eu le temps d'être réanimé. Oui, il aura eu le temps d'être réanimé. Ouais, on va aller voir si c'est bon. Si le fossile... a été réanimé. Alors, monsieur, ça avance. Merci d'avoir patienté. Ton Pokémon fossilisé a repris vie. Un fossile, c'est un Lilia. Parfait. Et je lui donnais un surnom, évidemment. Bon. Au moins, j'ai un autre Pokémon à la place. Bon, c'est un fossile, mais bon, c'est pas grave. Hein. Écoute, hein. Tant que c'est un Pokémon. Hein. Alors. Hop. Tac, tac et tac. Voilà, je l'appelle Valia. Avec deux A. Normal. Parce que ça fait plus cool. Bien, maintenant... je réfléchis. Ce que je pourrais faire. Je l'appelle Poivre à Aisselle, juste vite fait. Pendant ce temps, j'essaie de réfléchir à ce que je pourrais montrer, parce que... J'ai pas envie de montrer les concours Pokémon, non, parce que j'ai la flemme. Donc là, je vais reprendre Justin à la place de Valia. Qu'est-ce qu'il y a de bien intéressant? Ah oui, je m'en souviens, oui. C'est pas très loin. Hein. Non, c'est pas la maison des pièges. C'est pas très loin de la route 103, ouais. C'est ça, oui. Cette grotte-là. La grotte Metamo. Hein. Qui est une grotte que l'on peut accéder uniquement... une fois qu'on a... battu la ligue. Cette grotte, elle sert uniquement pour avoir des Pokémon sauvages, en clair. Elle sert juste à ça. Donc, voilà. Je vais vous faire visiter un peu les lieux. En même temps... Voir ce qu'il y a de bien comme Pokémon sauvage, ici. Ouais, il y a des Kakuné, ici. Par contre, les Pokémon, ils ont des niveaux quand même assez pourris. Hein. Donc, vous étonnez pas que pour j'essaie de les affaiblir, c'est pas la peine. Hein. Je vais les one-shot direct, les pauvres. Alors. On a des Kikli, ici. D'accord. Au moins, je vous montre un petit peu les Pokémon que je peux croiser ici via avec le random. Hein. Et un Chouchmer, hein. Pokémon que j'ai croisé depuis un bon nombre de fois. Et non, j'en veux pas. Enfin, je crois que j'ai tout ce qu'il faut pour comme Pokémon, moi, parce que là... J'ai pas envie de rattraper d'autres Pokémon, parce que, voilà... Alors, de toute façon, les gens, ne vous étonnez pas si les parties extra sont courtes. De toute façon, je vous avais déjà prévenu lors de la première partie extra. De toute façon, vous devez être au courant que les parties extra seront limite plus courtes que les parties normaux, qui duraient au moins plus de 20-25 minutes à peu près, voire même plus. Bien, bien, bien. Je crois que là, j'ai fait tout mon tour. Ouais. Donc, je vais me casser d'ici. Je vais retourner à Ninukeek.
parce que j'ai plus rien à faire, et je vais m'arrêter ici. Non. Je vais vérifier mes Pokémon. Je vais retourner devant le ferry là, et ici, pour prendre, retourner pour un prochain voyage, que vous verrez dans la prochaine partie extra. En tout cas, j'espère que celle-là vous a plu, malgré qu'elle a été courte. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir, à le faire partager. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine partie de extra de ce jeu. Allez, salut à tous, ciao, bye bye.